Bonjour les enfants, vous savez quoi? Il est arrivé par la poste ce matin, ce carton. C'est génial, c'est le nouveau livre de catéchisme. Alors, on pourrait l'ouvrir ensemble. On a la chance d'avoir ce nouveau cahier qui est composé dans chaque page de la couverture de magnifiques illustrations. Dans un premier temps, il y a cette carte de la Terre Sainte. Tu peux déjà commencer à regarder et à te rappeler les villes que tu connais. Puis dans cette grande ouverture, il y a l'histoire sainte. Alors c'est un peu compliqué, mais on pourra voir ça ensemble, de déchiffrer tout ce schéma. Et puis si on ouvre de l'autre côté, on tombe sur un schéma de la messe, et à l'intérieur, l'année liturgique. L'année liturgique qu'on a déjà vue ensemble. Ça permet d'avoir une autre illustration. Et puis à l'intérieur, nous avons les séances de cathé. Par exemple, tout d'abord, à la page 5, tu pourras commencer chez toi, à la maison, par remplir les différentes informations, mettre ton nom, répondre aux questions qui te sont posées pour te présenter. Ensuite, si tu tournes une page, à la page 6, ben c'est un exemple, c'est la première leçon qu'on fera ensemble. Il y a à chaque fois une découverte sur le thème, par exemple là, Dieu notre Père. On découvre quelque chose, il y a un exemple de la vie d'un saint ou d'un ami de Dieu, d'un témoin de Dieu, quelqu'un qui vit en relation avec lui, qui t'en parle. Puis après, il y a des questions qu'on se pose, il y a un texte à trous pour pouvoir se souvenir de ce qu'on a entendu. Et puis il y a des petits pas avancés pour avancer, c'est on prend des bonnes résolutions pour changer notre vie. Et enfin, il y a des activités. Les activités, tu peux prendre ton cahier à la page 109. Tu vas voir, c'est des pages qui sont toutes grisées. Elles sont grises, elles ne sont plus en couleur, ces pages-là. Par exemple, là, il y a un coloriage à faire. Ou des petits dessins à rajouter sur un texte. Ou à compléter des commentaires sur des photos. Il y a plein de petites activités à faire. Et puis enfin, à la fin de la séance, il y a le temps de prière. Avec un texte de la Bible, une prière, là le Notre Père, et puis un chant. Les chants, vous pouvez les découvrir aussi à la fin de votre livret, à la page 118, 119, 180, il y a tous les chants que l'on connaît déjà pour certains d'entre eux, et puis les autres, on essaiera de les apprendre ensemble. Voilà, alors je te laisse avec ton livre de catéchisme, tu peux apprendre à le découvrir au fur et à mesure, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochaines séances. Allez, je te souhaite bon courage, à la prochaine !